Voilà, on démarre. Donc, Maurice, voilà. Dis-nous, voilà, un peu. Tu peux te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu es, au nom de qui tu nous parles aujourd'hui, tout ça. Donc, présente-toi un peu et puis voilà. Ok, super. Alors, merci déjà pour l'invitation. J'apprécie vraiment ce que tu fais, tu vois. Je te l'avais déjà dit dans le premier échange que en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans l'Ouest francophone, nous sommes, je l'ai dit, en retard beaucoup de choses, tu vois. Et la jeunesse, comme nous, bon, c'est vrai, nous, quelques-uns, nous avons eu la chance d'avoir un parcours atypique qui nous a permis d'être immergé dans tout ce qui est numérique assez tôt ou assez vite. On a pu comprendre les choses rapidement, on a tiré notre épingle. Mais voilà, il y a encore beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas encore à s'en sortir, qui aimeraient aussi pouvoir tirer leur épingle du jeu. Mais voilà. Et grâce à ta communauté, avec tout ce que tu partages et tout, je suis sûr, je suis convaincu que ça aide vraiment beaucoup de personnes. Et c'est dans ce cadre-là que je suis là et c'est un test vraiment plaisir. Voilà. Du coup, bonsoir à tous. Je suis Maurice Ntondi. Je suis nouveau community manager. Mais mon histoire n'a pas commencé là. Alors, j'ai une vérité en télécommunication. J'ai fait la médecine. Maintenant, je me suis cassé la figure. J'ai arrêté en deuxième année. Et c'est en m'arrêtant en deuxième année que je me suis dit, bon, voilà. Après, m'être baladé dans de choses et tout, qu'est-ce que je peux pouvoir faire de ma vie. C'est là où je me dis, bon, dans le monde, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui serait plus simple pour moi à faire. C'est là où, en regardant tous les métiers, toutes les possibilités, j'ai choisi le community management de base. Voilà. J'ai choisi le community management et j'ai commencé autour de 2020, je crois. Et aujourd'hui, au fil du temps, j'ai une certaine appétence pour l'engineering et je me suis dit, bon, voilà. À un moment donné, il y a beaucoup de community managers, il y en aura encore beaucoup plus, mais comment moi je fais pour me démarquer? Comment je fais pour pouvoir rester dans le, on va dire, dans la conscience collective de tout le monde? Et là, j'ai dit, donc, voilà, j'aime la couleur bleue, j'aime les vibes de LinkedIn, beaucoup de personnes font LinkedIn, moi je vais aller là-bas. Mais si, quitte à me casser la figure, je vais y aller, et puis, voilà. On va voir ce que ça donne. C'est comme ça que je suis devenu comme ça. Wow. Voilà. Ça. Wow. Donc, si je récapitule, tu as un peu tourné en rond après, bon, de me lancer community manager, mais je ne vais pas être n'importe quel community manager, je veux être différent des autres. Donc, je vais aller sur le réseau social que tout le monde suit, LinkedIn, et c'est comme ça que tu es devenu LinkedIn community manager. Donc, toi, tu fais que LinkedIn, en Exactement. fait. Oui, je ne fais que LinkedIn. Ah, c'est assez intéressant. Je vois. Et après ça fait combien de temps que tu as commencé à exercer dans le monde professionnel? Et bon, depuis combien de temps tu as commencé à bosser? Alors, Peut-être déjà un dis-moi peu plus. que j'ai eu. Alors, en tant que community, en tant que LinkedIn community manager, c'est en tout cas assez récent, hein. C'est assez récent, c'est pas, ça date pas de très très longtemps, voilà. Ça fait plus d'un an, voilà. À peu près un an que je suis LinkedIn community manager, voilà. Ah, et c'est en un an que tu as eu les 6 000 abonnés, là. Alors, par rapport à mon compte LinkedIn, l'histoire date de très longtemps. En fait, cette histoire, ça ressemble à l'histoire de tout le monde, enfin, de beaucoup de personnes parmi nous ici. Alors, c'est en 2018 que j'ai créé un peu le compte LinkedIn. C'était en 2018 que j'attendais un peu les échos par rapport à LinkedIn. J'ai créé le compte. Mais quand j'ai créé le compte, comme tout le monde, je l'ai appelé, je suis parti, voilà. C'est en 2020, quand j'ai commencé le compte LinkedIn, que j'ai dit, ah, beaucoup de personnes disent qu'on peut avoir des clients européens, des clients américains et tout, que ça paye bien. Bon, je suis venu en 2020. Sincèrement, c'était chouette. Quand même, là, je comprenais rien. Je me suis bien cassé la figure, je suis rebâti.
Je me suis bien cassé la bouche et je suis reparti. Donc, c'est en 2023 que je suis revenu pour cette année-là, que je comprenne ça. Voilà. Donc, c'est en 2021 que j'ai commencé vraiment à m'intéresser et tout. Et puis après, j'ai commencé en fait à faire mes premiers pas et tout, à m'intéresser vraiment à la plateforme. Du coup, au départ, je ne créais pas de contenu. Je faisais que ce que j'ai dit, création de contenu, des contenus qui ont été publiés sur des blogs et tout, je les partageais sur la plateforme simplement, voilà, sur mon profil. Voilà, simple. Je raconte tout ceci aussi pour que les gens comprennent que, en fait, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu peur ou à avoir peur de la plateforme. Moi aussi, je suis passé par là. Et donc, si j'avais pu me faire tout ce parcours-là de peur, là, pour en arriver là, c'est que tout le monde peut le faire. En grande partie, tout le monde peut le faire, même si il y a des personnes qui, quand même, sont plus évidentes. Mais ce soir-là, on va vraiment traiter le problème. Aujourd'hui, après ce call-là, tout le monde, en tout cas, fasse quelque chose pour pouvoir améliorer son profil de LinkedIn, pour pouvoir gagner plus d'opportunités. Parce qu'il y a vraiment plein d'opportunités derrière LinkedIn. Et tu peux nous Exactement. raconter, genre, ta petite expérience de la vie. C'est-à-dire les opportunités que tu as pu avoir grâce à lui. Grâce à LinkedIn. Il y a beaucoup de choses, mais Bon, il y a beaucoup de choses. deux éléments. Sincèrement, il y a eu beaucoup d'opportunités. Depuis 2021, 2022, j'ai vraiment pris le développement de mon community dans mon sérieux. Non, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, comme tu m'as dit de me limiter à deux, je vais te raconter deux. Alors, la première opportunité, par exemple, qui est actuellement en cours, c'est que j'ai été associé à l'organisation de LinkedIn Local Cotonou. Voilà. LinkedIn Local, c'est un événement qui réunit en fait tous les utilisateurs de LinkedIn à un endroit donné. Et donc, spécifiquement ici, c'est Cotonou. Et cet événement, c'est Agathe Toularani. Ceux qui sont sur le plus actifs, ils la connaissent certainement. C'est Agathe Toularani qui a la tête avec un autre événement qui s'appelle Samson. Donc, à cause de le fait d'Arnaud, elle m'a fait appel, elle m'a dit, voilà, Maurice, tu es quelqu'un, voilà, tu crées du contenu, tu fais des trucs bien sur la plateforme et tout, voilà. Il y a un événement qu'on veut organiser pour réunir. Tu en faisais déjà, tu réunissais déjà des utilisateurs, mais pas forcément en une grande échelle. Du coup, j'aimerais que tu sois associé à cet événement pour qu'on puisse réunir le maximum de personnes autour de cet événement. Et je trouve que ça, là, par exemple, c'est quelque chose que je n'aurais pas eu si je ne publiais pas sur LinkedIn. Voilà. Et après, on parle d'Adara tout, avec 5 000 abonnés et tout. Moi, je suis à 6 000, vous voyez plus. C'est comme quelqu'un, elle est là, ça peut faire, moi, je suis telle, voilà, tu vois, et on t'a la maison. C'est énorme, quoi. En tout cas, voilà, je ne peux pas dire le contraire. D'accord. Alors. Là, parce que l'opportunité que j'ai eue sur LinkedIn, c'est le premier que j'ai raconté. On est au second. Alors, pour le second, il y a eu, par exemple, une dame, Cameroun, ça c'est l'année passée, qui m'a sollicité pour donner une formation à propos de LinkedIn à des étudiants dans une université. Voilà. Ça, par exemple, c'est aussi une opportunité que j'ai eue parce que je créais du contenu. Parce que je créais du contenu. Et il y en a d'autres comme ça, des clients, des personnes qui sont dans le besoin de contact pour accompagner, pour s'occuper, pour occuper de la gestion de leur compte personnel, des pages et tout, voilà. Ça ne manque pas, ça ne manque pas. Donc, alors, tu es très riche, hein? Tu fais partie du top 10 des plus riches community managers du Bénin. Attends, attends. Tu m'as dit que j'avais des opportunités que j'ai eues. On n'a pas encore parlé d'argent. En tout cas, je dis que j'ai converti toutes ces opportunités. Ça, c'est une autre histoire. On Non. pourrait en parler plus Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va passer à des questions un peu pour ceux qui nous suivent, sûrement qui ont cette question que je vais poser en fait. Et puis après, on aura un moment où dans le chat, les personnes connectées pourront poser aussi des questions. Donc là, la première question, c'est que
Pour moi, par exemple, qui suis un étudiant ou bien une personne lambda, un professionnel, et bon, j'entends parler de LinkedIn, mais la plateforme, j'ai déjà mon compte Facebook, Instagram, ainsi de suite. Et je fais un peu déjà de la communication, un peu. Mais je ne vois pas de raison, en fait, d'aller sur LinkedIn. Sachant même que là-bas, j'ai l'impression que c'est un peu trop sérieux, un peu trop compliqué, carré, bloc. Donc tu vois un peu le petit truc que tout le monde a en tête au début de LinkedIn. Comment on fait pour gérer ça? Alors, déjà, par rapport à l'aspect utilité de LinkedIn, en fait, par rapport à l'aspect utilité, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut choisir de ne pas sur LinkedIn. Mais il y a une ou deux raisons pour lesquelles je conseillerais le jugement pour ne pas mettre statut à être présent sur LinkedIn. Alors, la première raison, c'est le réseau sur lequel, en fait, il est très facile de développer son image de marque. Son image, enfin, son personal branding, pour être plus exact. Voilà. C'est le réseau sur lequel il est très facile de développer son personal branding. Dans ma présentation, j'ai dit que tout mon parcours par rapport à LinkedIn, sérieusement, a commencé en 2021. 2021, on est en 2023, février, c'est pas un an, c'est pas un an, c'est pas beaucoup de temps. Et pourtant, cela n'a pas empêché que je puisse me positionner sur la plateforme. Grâce à mon contenu, à mes interactions sur le réseau. C'est pour dire à quel point c'est un réseau tellement puissant où on peut très vite se faire de la place. Je me donne même un 6 à 3 à 6 mois, c'est largement suffisant si on est régulier, on est constant, on produit du contenu qualitatif, on peut très vite tirer son épingle du jeu. Et bien sûr, il faut avoir aussi un positionnement assez, je ne veux pas dire intriguant, mais différenciant, voilà. Un truc qui puisse quand même sortir du lot et intéresser les gens, parler aux gens. C'est-à-dire, quand j'ai une petite image, les gens disent, ah, on peut quoi? Et ils demandent, attends, de quoi tu me parles? Dit, comme je dis, la phrase, elle est un peu bizarre. Voilà. Donc, trouver un positionnement qui parle aux gens, voilà. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, j'aime souvent dire que LinkedIn, c'est une plateforme de manque de contenu. Actuellement, on a autour de 200 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Si on ramène ça au niveau des pays africains, par exemple, pour le dernier montant de 400 000, au niveau de la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, avec les derniers résultats qui sont sortis, on est autour de 900 000. Voilà. Autour de 900 000 personnes. C'est pour dire quoi? Si on compare ces données-là à Facebook, quand on prend le montant de 400 000, pour Facebook, on est autour de 1 million. C'est pour dire avec nous, il y a une telle différence que LinkedIn, en fait, c'est la plateforme où on a encore toutes nos chances de pouvoir se faire entendre sa voix, juste en créant du contenu. Parce que, en fait, Facebook, par exemple, aujourd'hui, on est autour du milliard, et ça fait que Facebook a du mal à gérer sa propre plateforme. On est obligé de faire appel à beaucoup plus d'intelligence artificielle et tout. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, on perd vite les comptes. On a vu que les conseillers jouent que tu prononces un mot de travers ou bien quelque chose, on peut se gagner pour une semaine, pour 24 heures, pour 15 jours. Ce qui n'est pas encore le cas sur LinkedIn. Même si LinkedIn est un peu regardant, surtout par rapport à tout ce qui est automatisation, on est par rapport à tout ce qui est écriture, texte et tout, mais on compte cette info d'expression, de liberté d'expression sur la plateforme. Ce qui fait que tout le monde, même si bon, tu as du mal à écrire bien, à formuler tes phrases, et que tu as souvent tendance à avoir un langage un peu terre à terre, c'est pas grave. Tu peux t'en sortir. Voilà. Je ne connais que ces deux raisons, mais sinon, il y en a encore plein d'autres. Par exemple, la troisième raison pour laquelle on peut être une ligne d'événement, c'est LinkedIn Learning. Oui. Donc, tu n'es pas là. Tu vois, il y a des professionnels qui partagent des contenus, comme toi, qui parlent de micro, des sous-titres et tout, qui parlent de Notion. Il y a qui parle de Wizzy, il y a Shuba Chama qui parle de Google, il y a combien de personnes je peux citer, il y en a plein qui viennent partager le contenu. Les contenus qu'on peut vendre, ils viennent les partager gratuitement. Et donc, si on a besoin vraiment de s'informer, d'être au parfum des activités, sont certaines activités,
nous, on est vraiment pertinent pour s'y retrouver. Puisque ce sont des professionnels qui sont sur la plateforme, ils font beaucoup attention au type d'informations qu'ils partagent. Quelqu'un ne peut pas choisir de mettre sa carrière en jeu en partageant des faux contenus. Donc, on fait beaucoup attention à cet aspect. Donc, ce que je veux dire, quoi, si tu viens sur LinkedIn et tu veux vraiment avoir accès à des informations, je ne dirais pas 100% sûr, mais proche de 100%, je pense que c'est l'endroit parfait. Et à côté de ça, il y a LinkedIn, qui est une plateforme d'apprentissage où tu obtiens des certificats et tout. Et ces certificats, tu peux les ajouter à ton profil. Tu vois, ça donne du poids à ton profil, ça donne du poids aussi à ton, à ta carrière professionnelle. Ouais, c'est... En tout cas, après avoir entendu ça, si quelqu'un dit que non, c'est vraiment hein. Parce que j'en suis même une très jeune avec mon expérience LinkedIn. Je me rappelle, j'ai commencé février 2022 à vraiment poster. Et après un an, je suis pratiquement à 3000 abonnés. Et il y a des gens que j'ai connus aujourd'hui grâce à LinkedIn qui m'ont quand même ouvert certaines portes. Et aujourd'hui, en tout cas, je ne regrette pas d'être sur LinkedIn. Et je préfère souvent même être sur LinkedIn que sur Facebook ou bien sur un autre réseau social. Parce que le contenu qui est partagé sur LinkedIn est un contenu qui est très qualitatif. Et aussi, les interactions dans les commentaires, on découvre plein de choses. C'est assez intéressant. Et ça, c'est vraiment intéressant d'être sur LinkedIn. Je pense que c'est un an, deux ans, trois ans sur LinkedIn. Ça change beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un, surtout dans le volet professionnel. Exactement, exactement. J'aimerais même ajouter quelque chose par rapport à cet aspect-là. Grâce au contenu que moi j'ai fait sur LinkedIn, par exemple, j'ai eu l'opportunité d'avoir un message personnel, par exemple, de Stéphane Wallace. Enfin, pour ceux qui sont ici et qui connaissent un peu. C'est lui qui a géré en fait, la communication digitale au président de la République Tchadienne. Voilà. Wow. Et juste parce que je fais du contenu, bah, ça lui a plu, il m'a laissé un message et tout. Voilà. Il a dit, ouais, j'apprécie ton contenu et tout, continue. On aime bien ce que tu fais et tout. Voilà. Vas-y et tout. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce genre de choses. En fait, c'est comme si tu as dit, c'est bon, que tu regardes ces films, tu apprécies bien les films, parce que, et puis tu as Johnson qui te fait un message en privé, tout et tout, voilà, j'apprécie tes réalisations et tout, voilà, vas-y, continue. C'est énorme en fait. Et ces gens de fois, tu ne peux pas les avoir quand on ne prend pas la parole en ligne en fait. Quand on ne prend pas la parole en ligne, on ne crie pas, on ne sort pas de ça, je ne sais pas quoi. Ces gens de choses ne peuvent pas nous arriver. Voilà. Et là, en fait, là, on vient d'aborder les raisons pour lesquelles tu es sur LinkedIn. Et je pense que toutes les raisons étaient données. Après, il y a d'autres raisons que vous allez découvrir vous-même si vous allez sur LinkedIn. Créer votre compte et puis commencer à faire une communication. Maintenant, parlons de communication. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui postent sur LinkedIn, partagent du contenu. Et quand on arrive pour la première fois, c'est pas souvent très facile. On dit qu'on a peut-être 10, 15, 20 abonnés. Puis on voit la réponse comme 6 000, 15 000. Et puis, bon, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, il y a des titres, des likes et tout ça. Ça fait plaisir quand même qu'on a des likes, quand on a des comptes, des vues. C'est pas très encourageant. Donc, quel type, par exemple, de contenu que tu pourrais conseiller en fait aux débutants, c'est-à-dire ceux qui commencent sur la plateforme, quel type de contenu tu pourrais mettre en avant pour pouvoir vite grandir, bien vite? Aussi. Parce que toi, par exemple, tu as 6 000 abonnés, mais peut-être que tu n'as pas forcément. Après, tu as capté quelque chose qu'il fallait faire exactement pour pouvoir booster ton audience. Et donc, les personnes qui quoi, donnent le raccourci, quoi, le petit raccourci qui va me permettre de recruter. Et les gens qui ont fait quelque chose. Ok. Le petit raccourci, d'accord, on va faire contre le C, contre le B, c'est ça. Parce qu'on ne veut pas taper forcément deux ans, trois ans pour avoir ça. Si on peut avoir ça plutôt, je merci. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de dire qu'il a du mal à nous recevoir. Alors, est-ce que c'est moi ou bien c'est le code de qui n'arrive pas à recevoir? Ouais, si vous ne recevez pas, n'hésitez pas. Apparemment, c'est
l'instant, c'est lui seul qui a manifesté ça. Ok. Alors, s'il y a une petite astuce ou un petit chemin, un petit raccourci sur LinkedIn, alors, en termes de contenu, il y en a deux. Il y en a deux. De par son format et de par l'information à partager, il y a deux. En termes de format, c'est le carousel. Voilà. Le format carousel. C'est un peu Le fameux le format. format star. Voilà, c'est ça. Le format star sur LinkedIn, en fait. Alors, j'explique un peu pourquoi. Alors, LinkedIn, dans son algorithme, il a mis un élément en place que beaucoup de réseaux sociaux ou beaucoup de réseaux sociaux, normalement, ne prennent pas en compte. C'est le temps que chaque utilisateur passe sur le contenu. Sur Facebook, ce n'est pas vraiment pris en compte. Mais sur LinkedIn, c'est pris en compte. Et ils appellent ça le duration. Donc, D'accord. plus le temps est long, plus le temps est long, plus l'algorithme estime que le contenu est pertinent ou le contenu intéresse l'audience. Et D'accord. donc, pouvoir retenir le plus le temps possible l'attention des utilisateurs, le format carousel est parfait pour y arriver. Puisque le format carousel, c'est quoi? C'est un assemblage de plusieurs tâches. Tout le monde se forme de documents PDF. Donc, si ton document est intéressant et que c'est plusieurs pages, il y a certains qui vont jusqu'à 40 pages pour un carrousel. Donc, si ça a plus de pages, donc ça veut dire quoi? Que les gens vont passer plus de temps dessus pour aller, pour quitter la première page à la dernière page, ils vont passer plus de temps. Et plus ils vont rester dessus, plus l'algorithme va se dire, ah, ce truc-là, ça est intéressant. Donc, je vais montrer ça à plus de personnes. Donc, si vous voulez vraiment rester chez LinkedIn et tout, c'est le format qui peut apprendre à maîtriser. Oui, ça a des cours et tout, donc il faut l'apprendre à maîtriser correctement pour pouvoir après tirer sur les points du jeu assez rapidement. Voilà. Maintenant, en termes de toujours le format et tout, le type de contenu là, bon, c'est vrai, il y a des mises à jour qui sont venues récemment dans cette début d'année par rapport à LinkedIn. Et dans cette mise à jour-là, je faisais comprendre que, en fait, le type de contenu que je veux donner ici, le storytelling. Storytelling. Le storytelling. Avant, ça utilisait, en fait, pour faire croître son audience assez rapidement. Parce que le contenu de storytelling, non seulement c'est attachant, c'est émotif, mais parfois, derrière, on arrive aussi à faire partager de la valeur. Ça retient beaucoup plus d'attention et ça demande beaucoup plus de paroles et tout. Maintenant, une image, bon, voilà, je sais, les gens vont pouvoir abuser de ça et tout. Voilà. Ce qu'on va faire, vous allez continuer à raconter des histoires, des storytelling et tout, mais tu vas faire en sorte que ce genre de contenu reste ou soit restreint avant de nouveau de nouveau. Ou de reste avant de nouveau direct, ça va rester à l'intérieur. Donc, ce sera plus ce contenu pour fidéliser son audience. Mais sinon, de base, c'est un type de contenu qui sert vraiment à faire exploser les compteurs. Et beaucoup de personnes utilisaient ça. Il suffit de faire un bon copywriting et d'avoir une très belle photo. Tu dis bien une très belle photo, une photo studio. Et puis tu pourrais te confirmer. Et puis tu parles de reposer, quoi. Tu reviens après, tu vas avoir peut-être 1000 likes, peut-être 600 likes, 300 likes dessus, un peu de commentaires. Les gens se bagarrent sous les commentaires. Ah, mais Voilà. sinon, on n'a pas envie de dire ça, sinon, on va être aussi. D'accord. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu En ça. tout cas, ça allait très intéressant. Donc, si on récapitule le format, on a le format carousel. Et donc, Conseil. normalement, ça veut dire qu'il faut une masterclass pour apprendre à créer ce genre de format. Donc, là, Effectivement, je effectivement. vais noter ça. Et puis les gars de la communauté vont décider après s'ils veulent cette masterclass. Et puis aussi, on a le format storytelling qui marchait auparavant, mais qui a été restreint à notre réseau direct. Et donc, c'est un contenu qui va nous permettre franchement de toucher beaucoup de personnes. Donc, le format carré. Et j'ai remarqué que, mais il y a de ces temps-ci, il y a un autre type de poste que j'ai remarqué qui marche très bien aussi. C'est bon. Bon, ça marche souvent en général pour les filles. Elles mettent une photo et puis elles racontent une petite histoire là. Un truc assez commun que les femmes ne font pas. Et ça prend. Ça prend naturellement. J'ai l'impression que, bon, dès que tu es
t'es vraiment différent, tu sors, tu arrives à sortir de peine du jeu, ton contenu peut bim. Donc, j'invite aussi les gens à être authentiques. Soyez vous-même sur les réseaux. Si vous êtes, n'adoptez pas forcément une autre voix sur LinkedIn. Restez la même personne, mais restez pro, quoi. Un peu pro, un peu, voilà, un peu souvent détendu, un peu souvent aussi, voilà. Sachez faire vraiment la balance, quoi. Pour avoir un truc assez propre. Maintenant, moi aussi, j'ai une petite C'est astuce à bon. donner. J'ai remarqué que dans mes contenus, que je partage, les contenus, c'est genre 7 outils qui permettent de faire ton 7 étapes, peut-être ça marche. Je me rappelle, j'avais fait deux posts où j'avais parlé des 7 outils d'IA qu'il fallait utiliser dans le travail. Puis j'avais fait un autre poste, 7 plateformes pour apprendre, pour avoir des certifications en ligne. Et les deux postes ont fait en moyenne 50 000 personnes touchées. C'est-à-dire que les deux combinés, ça faisait pratiquement 100 000 personnes et c'était près de 1 200. Et ça m'a fait passer de 1 400 abonnés à 2 600. C'est-à-dire que j'ai gagné près de 1 200 abonnés en moins d'une semaine. Et c'était la période où j'ai fait, je me suis dit, waouh! J'étais en euphorie. Et à chaque fois, les personnes qui m'ont contacté, qui me disent par exemple ce que je fais, voilà, et c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que je ne suis pas encore prêt pour lancer vraiment une offre. Sinon, j'ai eu plein de propositions, plein d'opportunités d'emploi, mais que j'ai décliné parce que je travaillais déjà à Paris. Mais c'était pour, en fait, c'est pour dire en fait, que si vous publiez de bons contenus, en tout cas qui résonnent avec votre audience, c'est ça quoi. Vous allez forcément exploser. Au début, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de likes parce que vous venez d'être barré. Mais au fur et à mesure, vous allez progresser. Et ça va venir naturellement. Alors, j'ai envie de compléter quelque chose par rapport à ton expérience. Tu sais, sur LinkedIn, en fait, c'est toujours le même passé sur tous les réseaux. Hein. Il y a toujours ce principe il y a effet de nouveauté, il y a effet de nouveauté, et il y a également cette habitude qu'on a, en fait, de se mettre en avant. C'est là, quand tu as une nouvelle personne que tu viens sur la plateforme, si tu arrives vraiment à trouver un contenu, à créer un contenu qui arrive vraiment à sortir du lot, c'est un nouveau pour les gens. Ce n'est pas nouveau, forcément, pas le sujet, mais non, c'est pas forcément, il ne s'agit pas de réinventer la roue. Il s'agit juste, en fait, d'apporter une touche particulière à quelque chose. Ça peut être un sujet, ça peut être un nouvel autre que ce que les gens abordent, que tu abordes simplement, et puis ça fait un bien. Parce que, en fait, les gens sont à la recherche du truc nouveau, du truc nouveau, du truc nouveau. Soit c'est peut-être même ton carrousel, le sujet que tu revois et tu fais des cartons. Ça peut être le sujet que tu revois. Par exemple, tu as parlé de 7 outils d'IA pour pouvoir réussir. Tu peux revenir à la charge et dire voilà, que 7 outils pour réussir, mais sans les IA. Voilà. Tu peux revenir à la charge comme ça. Juste changer le nom de vue par rapport au sujet. Et puis, les gens vont se dire, ah, c'est encore un truc nouveau, qu'est-ce qu'il y a comme nous achetons? Donc, effet de surprise. C'est vrai, le format carrousel, c'est intéressant parce que, en fait, tu peux aussi garder ce de suspense Oui. pour devenir, à la première page, tu as un titre et tout, un titre qui émerge parfois, un titre qui attise la curiosité quand même. Et puis, comme c'est un document qui défile, les gens, ils ont vu le film, mais ils ne savent pas le contenu. Donc, pour connaître le contenu, ils sont obligés de faire quoi? De défiler. Et en défilant, plus tu arrives vraiment à travailler sur ton contenu, plus ils vont obligés, en fait, de défiler la suite. Et donc, comme ça, ils se retrouvent maintenant à la dernière page, sans s'en rendre compte. Et le seul geste qu'ils ont à faire pour trouver qu'ils sont arrivés à la dernière page, c'est peut-être partager ton contenu, ou laisser un commentaire, ou laisser un like. Bon, enfin, ceux qui t'aiment, ils vont laisser, vont partager ton contenu sur leur profil et tout. Ça, c'est pas fréquent, mais bon. Si ça arrive, il faut croiser, il faut te dire merci. Voilà. Non, c'est un peu ça. Mais non, pas au film. Tu sais, bon, c'est un fantasme qu'on nourrit tous. Hein. C'est un fantasme. Donc, si les filles font des photos vraiment, hein, je vais donner un exemple. On va citer un peu le nom que je vais donner. Alors, on va prendre par exemple le cas d'Anaïs. Elle est ivoirienne, il y a des filles qui la connaissent très bien, tu vois. Elle, son style de communication, comme elle est dans tout ce qui est plus et tout, c'est surtout basé sur les photos.
Oui, Il fait beaucoup de tests post-photo. Et les photos, souvent, ce sont des photos de type photo studio. Et donc, ça fait que forcément, les photos sont de qualité au niveau. Et donc, maintenant, il ne peut pas s'empêcher. Tu vas avoir reçu beaucoup de ces posts. Il y a plus de likes que de commentaires. Parce qu'en fait, quand les gens regardent la photo, waouh, comme ça, le seul truc qu'ils ont à faire, c'est de laisser un like. Donc, ils laissent un like. Après, si le sujet les intéresse vraiment, après, ils vont voir s'ils peuvent laisser un commentaire. Maintenant, le premier instinct, le premier geste qui revient en tête, c'est de laisser un like. Ce qui veut dire que tu as lâché ce post, par exemple, sur le dernier, il y a autour de 500 likes, mais en termes de commentaires, c'est autour de 80, je pense, je ne sais pas. Donc, voilà. C'est une stratégie aussi qu'on peut adapter sur nos sites pour s'en sortir. Si vous estimez que vous avez les moyens de votre politique et tout, vous pouvez baser ça sur que les images, sur que les photos, et vous n'allez faire que des photos shooting. Shooting, tout comme vous pouvez vraiment, vous pouvez ça va se tirer, vous en faites plein, et quand vous faites vos courses, vous ajoutez avec ces photos. Ça va forcément attirer les gens, ça va leur parler. Voilà. C'est un cours, c'est des petits cours, mais voilà. Ouais. Ça me donne quand même un petit peu, voilà. Je veux très bon téléphone, iPhone 15, iPhone 15, c'est pas compliqué. Vous faites un selfie, un bon photo pour faire. Ok. Là, j'ai. Nous tous en débat avec le 13. Là, c'est compliqué, là. Chacun check. Chacun se cherche. Ok. Une question avant que les une dernière question avant que les personnes connectées vont commencer à poser une dernière question. Quelles sont, par exemple, souvent quand on arrive sur un réseau social, on est nouveau, et donc souvent on fait des erreurs qui sont souvent qui peuvent nous freiner dans notre plan ou bien que qu'on veut construire comme brand. Donc, à ton avis, quelles sont les erreurs qu'il faut absolument éviter quand on arrive sur LinkedIn? Alors, je vais partir de ma propre expérience. Hein. Je vais partir de ma propre expérience. Quand je suis venu sur LinkedIn, en fait, comme je l'ai dit en 2018, quand j'ai créé mon compte la première fois, il faut la manière, je n'ai pas fait de recherche sur LinkedIn. Je suis venu ici parce que, bon, j'ai eu quelques frustrations et puis je me suis dit que LinkedIn allait pouvoir m'aider à éliminer ces frustrations-là. Voilà. Donc, quand j'ai créé le compte, je ne comprenais pas grand-chose, quoi, tu vois. C'est quoi, c'est où, les affaires des photos des copines dont je parle aujourd'hui là, elles ont vraiment du complet, tout ça, en 2018, je comprenais rien. Les trucs de quoi, de profil, bannière et tout, elles ont vraiment du complet, tout ça, je comprenais rien. J'ai dû créer le truc, j'avais juste une photo, j'essayais d'être dans le construit, tu vois, et j'avais bien sûr le profil, et puis je suis parti, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? C'est important quand tu veux aller dans une maison, c'est important de demander de se renseigner avant de rentrer dans la maison. Donc, la première chose à faire avant de venir chez lui, c'est de se renseigner. Voilà. Comprendre comment ça fonctionne, essayer de comprendre un peu. Voilà. Ici, c'est comment ça se passe, ça, en fait, comment on récupère. Voilà. Et pour parler à ça, c'est par exemple sur ce genre d'entretien qu'on est en train de faire. Ça permet déjà de s'informer, ça permet de se préparer déjà par rapport aux réalités de LinkedIn. Déjà, ça vous évite en fait de faire certaines erreurs. C'est déjà ça le début. Maintenant, le deuxième aspect par rapport aux erreurs à ne pas faire, c'est surtout ne pas avoir une vision. Ouais, je vais dire ça comme ça, ne pas avoir une vision. Alors, moi, particulièrement, quand je suis venu sur LinkedIn, quand j'ai commencé à prendre mon compte en ligne, j'avais une vision, j'ai prévu une vision. J'ai prévu là où je veux aller, si c'est comme disant par rapport à mon développement professionnel sur les 10 surtout. Alors, cette vision-là, c'est celle qui m'accompagne au jour le jour. Donc, quand je veux poster, quand je veux interagir, quand je veux voir mon profil et tout, c'est cette vision-là qui me guide. Et donc, avoir cette vision, en fait, permet d'éviter beaucoup de sorties de route. Parce que souvent, quand on est débutant et tout, on a tendance à aller à gauche, à droite, à essayer plein de trucs et tout. Et au final, on se rend compte que bien le marché. Parce que, en fait, au départ, on n'avait pas défini un certain nombre de cadres que je dois mettre. Donc, il faut le faire. C'est pas là, je suis un développeur web, je viens sur le prix. Mon affaire, là.
Je veux que d'ici 50 minutes, on connaisse quand même les traits du développement web. Donc, comment je fais? Et quand je dis comment je fais, c'est pour déterminer en fait les actions que je vais mettre en place au fil du temps. Et quand je vais déterminer ces actions, je sais qu'aujourd'hui, la base, c'est déjà d'optimiser mon profil. Et donc, sur mon profil, en fait, tu vas mettre un certain nombre d'informations qui vont composer à la concrétisation de ma vision. Ma vision que j'ai déterminée et que je sais que je vais atteindre au bout de 5 ans ou 10 ans. Et dans cette vision-là, on va parler également de tout ce qui est positionnement et tout. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ça en tête, pour ne pas aller dans tous les sens et ne pas aussi oublier derrière ce que je vais appeler le syndrome de rejeté. Ça veut dire quoi? Maintenant, quand on est nouveau, on vient, on va attendre dans tel poste que sur LinkedIn, là, c'est ça, il faut faire pour réussir. On va essayer. On se rend compte que ça va marcher. On écoute encore tel qui a parlé, qui a dit que, ah, si on fait ça, là, ça va marcher. Et puis, on essaie encore, hop, c'est quand ça fait deux. Et puis, on essaie encore ici, non. Ou bien, on voit que, ah, il a fait des pouces, il a fait 100 likes. Il a fait 100 likes, 100 commentaires. Ah, ce qu'il a dit, il avait fait. Il faut prendre le temps pour voir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut mettre en place, en fait, va tenir compte de l'humain. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous ne pouvez pas faire quelque chose que l'autre, lui, il a beaucoup de temps, il fait. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, si par exemple, c'est 2 fois par semaine, que tu es en mesure de le faire, mon ami, tiens-toi à ça. Le développement sur LinkedIn, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de marathon, c'est une course d'endurance. Donc, c'est celui qui va rester le plus longtemps. C'est lui qui va tirer son épingle du jeu. Ah oui, hein. Parce que la compétence, le but dans lequel on est présent sur LinkedIn, c'est pour se construire une certaine crédibilité. C'est pour que les gens puissent avoir confiance en nous. Et on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qui vient, qui fait un temps, il disparaît, puis après il disparaît. Non. C'est quelqu'un qui est resté sur le ring le plus longtemps possible. Et on a vu tout ce qu'il a fait. C'est à lui que finalement on arrive à faire confiance. Et donc, votre but, quand on est sur du temps, c'est comment je fais pour rester le plus longtemps. Mon but n'est pas forcément de faire beaucoup de toasts, de faire 10 pouces, de faire par semaine 20 pouces et tout, pour ça que je suis le plus fort. Non. Mais aussi, il y a 2 pouces par semaine. 2 pouces par semaine. On est à 52 semaines dans l'année. 2 fois 52, tu es déjà à 104, je crois, à 104 pouces l'année. Et ce n'est pas rien. C'est énorme. Comparé à quelqu'un qui vient de 1 pouce par semaine. Donc, ça veut dire quoi? Le plus important, c'est de trouver le moyen de rester le plus longtemps dans le jeu de l'ingénieur. Parce que votre ingénieur, son algorithme, il vous récompense quand vous restez le plus longtemps possible. Pour avoir un certain nombre de résultats, il faut trouver le moyen de rester le plus longtemps possible. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de venir en tombeau et en clinquant et puis disparaître. Non, c'est grave. C'est grave. Quand vous avez fait ça, vous partez revenir là. Non, ça m'est chaud de remonter la pente. Quand vous avez fait ça, moi, je suis parti. Ah, c'est chaud, c'est chaud. J'ai vu ça sur Instagram. Parce qu'avant, sur Instagram, je faisais des posts, ça prenait, mais après, j'ai arrêté. Et quand j'ai repris, poto, j'ai du mal à décoller, ainsi de suite. Et maintenant que c'est en train de reprendre, je me suis dit, donc, même si ça peut faire un post ou 2 posts par semaine et être constant, c'est mieux, quoi. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Moi, j'ai vu ça, c'était chaud. Parfois, tu as un petit demande si les gens qui commentaient tes posts auparavant, où est-ce qu'ils sont partis? Mais les gars, ils sont toujours là. T'as vu la famille qui a mis les photos. Ils te mettent là les boules. Donc, en tout cas, merci beaucoup Voilà. pour ces éclaircissements. C'est vraiment enrichissant et tout ça. Et là, on va passer à l'étape très intéressante où les personnes qui sont connectées vont poser des questions. Il y a des personnes qui ont des questions, vont poser des questions inbox. J'ai dit non, attendez la masterclass. Le pro va venir répondre aux questions. Voilà. Donc, les gars, posez-vous des questions maintenant C'est dans le le moment. chat. C'est le C'est moment. Après, à part ces le moment. questions, posez en même temps. Voilà. C'est le moment. Alimani Matt même Bon. dit, malheureusement, c'est mon cas, j'ai arrêté de poster sur LinkedIn. Ah, faut reprendre, hein. Ah. Faut Pour le prendre. organiser.
Souvent, ce qui fatigue beaucoup, c'est l'organisation aussi, hein, parce que c'est un problème que j'ai remarqué pour la plupart des personnes, la gestion du temps et puis la gestion des tâches. C'est difficile quand on n'a pas forcément la bonne méthode d'organiser. Et après, on procrastine, on procrastine, on procrastine, et puis finalement, on se retrouve en train de faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans faire de contenu. Et on se dit souvent qu'on n'a pas le temps. Pourtant, on a le temps. C'est juste qu'on gère mal le temps aussi. Sinon, tout le monde a 24 heures. Exactement. Il y a des personnes qui postent tous les jours que j'ai fait du poste. Tu vois, si t'as avec champion, douce. Mais il a sa stratégie à lui, peut-être qu'il s'organise bien et tout ça, mais bon. Après, Adjumani Max, tu peux poser ta question. Hein. Qu'est-ce qui t'empêche ou bien qu'est-ce qui t'envie de savoir que tu as vraiment résolu ton problème? Les autres aussi, posez vos questions. Désiré, il faut poser ta question. Là, on est là, en live, posez ta question. Emmanuela, posez vos questions. Je vous vois. Le chat. Alors, Matt disait que ce n'est pas une question d'organisation, donc c'est quoi alors le souci? Sinon, il faut l'avouer que beaucoup de personnes sont confrontées. Même moi, à un moment donné, je me disais que c'était une question de temps, que je n'ai pas de temps. Et après, je me suis rendu compte que, en fait, c'est par rapport à mon organisation que j'ai du mal en fait, à gérer, puisque c'est vrai, je dois gérer tous les clients, je dois gérer mon boulot. Et également, j'ai mon propre compte. Et moi, je considère même mon compte comme le compte d'un client, en fait. Voilà, je me considère comme mon propre client. Et donc, la volonté ou bien la dynamique ou bien cette vision que j'applique au compte du client, j'essaie de me l'appliquer à moi-même. Voilà, j'essaie de me l'appliquer à moi-même. Et depuis un certain temps, j'ai vu que bon, les résultats sont différents. Je suis là de plus en plus. Et ça fait énormément plaisir parce que les retours sont là aussi. Ouais, c'est ton propre client. Voilà. Alors, il y a des qui oui, c'est ça, c'est mieux. Alors, il y a Jospin Dotou qui demande ma préoccupation est de savoir quelles sont les différentes stratégies de contenu possibles à adopter sur le YouTube. Une question aussi. Intéressant. Okay. Alors, je vais commencer par la question de alors, quelle stratégie de contenu possible à adopter sur LinkedIn? Alors, j'aime souvent, j'ai pour habitude, surtout quand les gens viennent sur LinkedIn, je n'aime pas chercher à les embrouiller avec enfin, des technologies très complexes, avec des trucs compliqués et tout. Alors, souvent, quelqu'un qui veut inviter, il n'a pas cette volonté-là, il n'a pas cette capacité-là à encaisser beaucoup de choses pour avancer. Donc, si tu cherches à nous dire, voilà, c'est comme ça que vous faites, que ça devient trop complexe, il va se dire que c'est trop compliqué, mais il va juste abandonner. Il ne peut pas le faire abandonner et lui permettre au nom de Dieu d'aller. Puis après, on peut ajouter, à dire, avoir cette information. Puis après, on peut ajouter d'autres éléments ici, jusqu'à ce qu'il avance. La plus simple pour moi, quand tu veux débuter sur une antenne de société, tu peux trouver, par exemple, trois types de contenu. Le premier type de contenu, c'est qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes valeurs, tu peux mettre des contenus autour de ça. Le meilleur contenu, c'est par rapport à ton expertise. Voilà. Pourquoi on doit t'écouter? Voilà. Parce que je suis tel, je fais tel dans ton domaine, tu peux mettre des contenus autour de ça. Troisième type de contenu, ce sera des contenus autour, en fait, des contenus pour donner, pour faire en sorte que les gens aient confiance en toi. Et ça va être des contenus de type, qui seront donnés en fait à tel client, Des les gens que tu arrives à témoignages. aider dans ton domaine d'activité, des témoignages, enfin, bien sûr, on va plus du cours social également, voilà, des témoignages, ou des effets, des démos. Si quelqu'un qui est dans le développement web, par exemple, si tu as travaillé sur des projets fictifs, tu peux les partager également, voilà. Simple. Simple. Sinon, si on veut y aller dans une version compliquée, on va parler de tout le fil de fil, bon, voilà. Ça va être pratique, voilà. Ça va être parti un peu, donc je pourrais m'en arrêter là. Moi, tout ce Voilà. que tu as partagé, Alors, c'est Max. fabuleux. Alors, tu veux que je partage ça, c'est ça? Oui, non, Jean, je disais,
Juste pour récapituler en fait la réponse que tu as donnée à dessus, les autres, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 3 points, il y a 3 types de contenu que vous pouvez poster rapidement si vous voulez commencer à grandir. Où vous êtes, vos valeurs, tout ce qui peut être de vous, vos compétences, qu'est-ce que vous apprenez, sur quoi vous développez, sur quoi vous travaillez. Et puis le troisième point, preuve sociale. Donc, tout ce qui est preuve sociale, avec qui vous avez travaillé, retour client, ou bien si vous avez des clients, ou bien si vous avez du dossier avec des gens, des partenariats, etc. Pour montrer en fait que, au-delà de tout ce que vous faites, vous êtes humain et que les gens vous font confiance. C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, il y a Marthe qui a l'impression que ses postes sont un peu maladroits par rapport au poste qu'elle a. Alors, c'est la même chose aussi. Par rapport aux en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont dire en fait au début, il faut beaucoup de copywriting. Voilà. Mais je suis d'accord aussi, je suis d'accord. Parce qu'au début, en fait, comme on ne vous connaît pas, pour pouvoir vous démarquer, vous avez besoin en fait d'ajouter, bon, je ne veux pas dire manipuler les gens, mais ajouter un truc à votre poste pour que les gens puissent donner envie aux gens de venir. Maintenant, quand je dis, j'aime pas aussi beaucoup quand je vois les gens avec les affaires de AIDA, copywriting, les packs, les frameworks et tout. J'aime pas envoyer les gens. Il faut que tu prennes du plaisir à te donner déjà. Donc, au début, il y a deux choses que j'aime souvent dire. Le premier élément par rapport à ton poste, il faut savoir que, comme tous les posts sur les réseaux sociaux, ça nous structure. Ton poste, il y a trois éléments. Le premier élément, c'est l'accroche, la phrase qui débute, et ça correspond à la partie, voire plus. Alors, je sais pas si c'est possible, je vais pas donner quand même quelques exemples là. Alors, je vais voir. Bon. Je n'ai pas la possibilité de partager mon écran. Attends, je te donne. Attends, C'est pas si. Ok. je vais aussi Alors. voir si je peux donner la possibilité. La pétition de voix. Ok, pendant que tu seras en train d'intervenir, souvent je vais te donner mes méthodes pour que tu puisses le son. Autorisation de paramètres. Donc, pendant ce temps-ci, tu peux répondre à une autre question et puis. Bon, c'est pas grave, je peux répondre quand même, il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir, Ah, Max, que tu poses en fait une structure. tu peux m'attacher ton écran. Ok, ouais, c'est bien. C'est bien. Je vais prendre celle-là comme cobaye. Je vais prendre celle-là comme cobaye. Voilà. Attends, tu vas aller dans le fil d'actualité, je vais plus t'expliquer. Alors. Désiré à peau. Ok, j'aime bien la question. Plutôt, super. Bon, la connexion est bonne. Donc, voilà, merci beaucoup. En attendant, je suis en train de répondre quand même. Alors, là, j'aimerais te faire comprendre une chose. Il faut savoir que tous les postes en fait, ont une structure. Et la structure, elle est très simple. Moi, je résume ça à trois éléments. Le premier élément, c'est l'accroche.
Alors, je vais prendre ce cours-là qui a parlé en même temps de finalité. Quand on prend ce cours-là, par exemple, il y a un peu le test et puis il y a le bouton voix plus. Alors, tout ce qui est avant le bouton voix plus correspond en fait à ton accroche. Ça correspond à ton accroche. Donc, c'est sur cette partie-là que tu dois miser le plus. Ton but, c'est d'attirer l'attention des gens. Ton but, c'est de faire en sorte que la personne qui découvre ton cours dans ton fil d'actualité puisse cliquer sur le voix plus pour aller lire le reste. Et donc, tu vas devoir écrire une phrase généralement, ce que je conseille, une phrase parfois, enfin, généralement courte, intrigante et claire de l'émotion. Alors, quand je dis ça peut être par exemple, tu vas voir souvent les posts, les petits storytelling, généralement, ça commence par une petite phrase où je vais dire, enfin, j'ai aussi décidé. Je me lance directement. Des phrases comme ça, avec lesquelles j'ai mis le pouce de l'autre. Et puis après, la seconde fois que je m'ai appuyé, c'est pour ça que je voulais surtout parler du recrutement, tout ce qui tourne autour du milieu du travail, et qui veut se faire un peu de enfin, le mal, certainement, c'est parfois un peu glauque de la vie. Il y a une dame qui s'appelle Mona, quelque chose là, avec des tatouages sur le corps sur la plateforme. Elle est beaucoup spécialisée pour ça. Elle me fait que, moi, ça me saoule, tu vois. C'est vrai, pour des situations où tu peux en parler. Mais après, s'il faut en faire, c'est pas, un son de cloche, c'est pas toujours intéressant. Voilà. Donc, la première partie, c'est l'accroche. Et donc, ton accroche, tu vas tout faire. C'est cette partie-là. Quand tu finis de écrire ton cours, tu veux revenir cette partie-là et travailler vraiment dessus. Au bout, c'est de pouvoir obliger la personne à s'arrêter. Pour ceux qui sont un peu dans la publicité, vous parlez de Screwstopper. Donc, tu vas trouver une raison, donner une raison à la personne de s'arrêter. On va cliquer sur le voix plus. Alors, si je me mets à ce n'est pas ce qu'il essaie de faire. Je ne vais pas dire, mais je vais vous donner un exemple. Donc, c'est sur cette partie de votre travail. C'est celle qui correspond à ton accroche, à l'accroche de ton cours. C'est la première partie. Maintenant, la seconde partie, c'est ce que moi j'appelle le corps du cours. C'est tout le reste qui définit. Qui suit juste et qui s'arrête juste avant ce qu'on va appeler l'appel à l'action. Donc là, deuxième partie, c'est ton corps de course. Et le corps de course, ce que je conseille généralement, très simple, c'est d'écrire quoi? Une idée à la suite d'une idée. Tu commences, tu as déjà l'approche, tu as déjà posé les bases. Après, tu veux expliquer ton idée, tu veux partager ton idée, tu veux développer ton idée. Tu fais une idée à la suite d'une idée. Et en termes d'écriture, il n'y a pas besoin de se déranger pour dire on est sur LinkedIn, donc il faut faire des français, des cours français. Donc, on a mis plus qu'il y a fidèle, plus les gens vont te dire. Si tu choisis de faire des cours, des trucs, les gens vont te zapper. Parce qu'en fait, comme tu es sur un réseau social, les gens n'ont pas le temps d'aller chercher un dictionnaire pour comprendre. Même si tu es un professionnel de santé, tu dois choisir l'option la plus simple que j'ai à faire complètement. Voilà. Quelquefois, tu peux te permettre de faire des vidéos, de ranger un tout petit peu la phrase, mais la plus simple, c'est sujet, verbe, complément. La personne ne va pas se casser la tête. Tu partages ton idée le plus simplement possible. Une idée à la suite d'une autre idée. Et tu finis. Et quand tu viens à la fin, tu as l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est tout ce que tu dis pour inciter la personne à faire une action. Voilà. Tout ce que tu dis. Tu peux lui demander de laisser un commentaire. Tu peux lui demander de liker. Tu peux lui demander de s'inscrire à ta newsletter. Tu peux lui demander également de laisser un avis. Là, tu lui poses une question autour du sujet que tu as abordé dans ton cours. Maintenant, ça, c'est le premier aspect que je vous recommande. Le second aspect, c'est quoi? Tout mettre de l'émotion. Tout mettre de l'émotion. Voilà. Alors, comment on arrive, par exemple, à s'attacher à un film? Je ne sais pas si vous avez besoin d'un bac. Un bac. Je sais pas si je suis un peu trop vieux. Ouais, en fait, c'est comme ça l'appel. C'est un film de taille, là. Et au début, vraiment, c'était intriguant et tout. Quoi. Il y avait un éléphant, un autre qui devait sauver et tout. Bon, bref, il s'est battu jusqu'à la fin et tout. Voilà. Alors, bien, si on veut reprendre les noms de films de James Bond et tout, pourquoi on s'attache à ces films? Parce que ces films-là nous font vivre des émotions. Tantôt, tu vois, l'acteur est dans des situations improbables. On se dit, ah, il va mourir. Et puis, il est en train de se rendre compte qu'il va mourir.
Jésus était crucifié, et puis ça allait sauver. Et puis il m'a dit, ah, il a pris le chef, il pleure, on l'a tellement battu, il m'a encore dit, ah ouais, lui, c'est plus fort que lui. Voilà, en fait, c'est simple. Vous devez arriver à créer ces gens qui jouent encore dans vos tests. Si vous y arrivez, vous avez gagné. J'ai mis de l'émotion en fait. Ça peut être faire des bruits, faire pleurer, énerver les gens. Les gens aiment beaucoup le faire, surtout ceux de la France et tout, ils aiment beaucoup. Quand je dis le coffre, c'est juste créer la barrière dans le test. Ils vont aborder un aspect de sujet, un autre fond dedans, de manière à ce que les gens, quand ils vont se sentir soit mal, soit ils vont se dire, vous n'êtes pas d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se lâcher en commentaire. Ouais. Donc, dans ton test aussi, il y a tout un peu de l'émotion. Mais à part l'aspect émotion, il y a également l'aspect. Ce que je ne fais pas un sujet de dissertation. Ce n'est pas un sujet de dissertation. Ce n'est pas comme on fait au collège, thème, antithèse, synthèse. Dans un cours, tu abordes les choses d'aspect. Soit tu abordes la thème, soit tu abordes l'antithèse. Tu ne peux pas venir par exemple, tu veux partager cet outil pour un entrepreneur, pour être productif. Et tu vas encore partager cet autre outil pour être, pour ne pas être positif. Ou bien, quand tu partages cet outil pour être positif, tu vas encore dire que, en fait, cet outil-là, bon, s'ils sont mal utilisés, le gars ne peut pas être positif. Non. Si tu tiens une balle, tu te tiens une balle dans tes pieds. Tu viens, tu arrives pour aborder un aspect. Tu choisis l'aspect que tu veux aborder, tu l'abordes à fond. Et en faisant comme ça, tu laisses les autres, en fait, aborder l'autre aspect en commentaire. Et c'est comme ça que tu abordes le sujet au complet. Quand tu vas, tu as de cet outil très positif en tant qu'entrepreneur, en commentaire, les gens me disent, moi, j'ai d'autres défis à proposer. Moi, j'estime que les outils ne font pas un entrepreneur, ne rendent pas un entrepreneur positif. Moi, j'estime que l'entrepreneur, il n'a pas besoin d'outils. Donc, Et défendre son point de vue. pourquoi il faut prendre position? Exactement. Exactement. Et ça, beaucoup de personnes, surtout comme moi au début, on est un peu hésitant, on se dit, si je prends position, est-ce que les gens vont pas me lâcher? Est-ce que les gens vont me et tout? Non. C'est important. Ensuite, c'est comme ça aussi, on se positionne sur le réseau. C'est pas avoir des prises de position que les gens s'y vont discuter. Et donc, on peut choisir une position, bien sûr. On choisit une bonne position. Bon, merci pour tes réponses. Je pense qu'on a vraiment beaucoup appris. Et même les personnes même qui n'avaient pas peut-être posé la question ont beaucoup appris de ce que tu viens. Là, on a compris le secret hein, pour faire des posts qui cartonnent avec tous les éléments. Une bonne accroche, un bon corps de test, bien aéré, bien structuré, ce n'est pas une dissertation. Une bonne image qui capte l'attention et puis un bon storytelling. Et il faut prendre position. Voilà, pour susciter l'émotion des gens, soit des sentiments de colère, ou de joie, mais en tout cas, il faut que dans le texte, il y ait une émotion qui est dégagée. Sinon, votre contenu peut flopper. Exactement. Il y a une autre Et ça, c'est vrai question dans le chat. Il dit, quoi là, c'est qui a posé la question? Désiré Apo. Non, il y a Christophe Seri aussi. Il y a OK. des questions quand même. Donc, on va essayer de répondre rapidement, rapidement, pour ne pas prendre trop de temps. Donc, il y a la question de Christophe Seri qui demande comment faire pour avoir des opportunités en remote en tant qu'infographe. Tous les deux. Alors, selon mon monsieur, en tant que programmiste, déjà, il faut savoir que les opportunités ne se trouvent pas à vous. Enfin, c'est pas comme si les gens vous disaient, ah, Christophe, tu t'es inscrit sur LinkedIn, super, voilà, il y a un emploi qui t'en parle. Il faut prendre un temps. Non, ça va pas aller comme ça. C'est à toi de faire le premier pas déjà. Et ce premier pas, ça commence déjà au niveau de ton profil. Si tu es vraiment là, tu cherches un emploi, le type de profil, par exemple, tu peux l'utiliser à ta guise pour signifier aux personnes qui découvrent ton profil que tu es en besoin ou bien que tu as la recherche d'une opportunité d'emploi. Ton type de profil, alors tu le montres rapidement, vu qu'on est en train de parler. On est en mode partage. Alors, je prends mon type de profil. Ici, par exemple, moi, j'ai un nouveau community manager qui a été confiné, j'ai un nouveau. Dans ton cas, à toi, tu vas mettre tes mots-clés, tu vas mettre ton type de métier,
Mais non, tu veux la proposition de valeur, toi, tu vas pas mettre que j'aime les entrepreneurs, dans ton cas, par exemple, tu peux mettre à la recherche d'un emploi ou à la recherche d'une opportunité. Tu précises. Parce que, en fait, quand tu vas commencer à interagir sur le réseau, partout où tu laisses des commentaires, il y a deux choses qui apparaissent. Je sais pas si vous avez fait le constat. Il y a ta photo de profil et ton truc de profil. Voilà, c'est ça. Et donc, quand tu vas commenter par exemple les posts des recruteurs ou les posts des entrepreneurs, quand ils vont voir le commentaire, ils vont voir ta photo de profil et voir ton type de profil. Et s'ils sont dans le réseau, voilà, ils peuvent venir dans ton inbox pour te dire, ah tiens, j'ai vu que ce ton type de profil, tu as mis le temps, est-ce que c'est toujours valable? Et c'est comme ça les échanges commencent. Non, Ça, c'est une approche. L'autre approche également, c'est créer du contenu. Voilà, tu crées du contenu. Tu montres ce que tu sais faire. Tu montres ce que tu sais faire. Tu as fait de l'original, tu as participé à une campagne où tu as fait des vidéos, des trucs. C'est un peu bien, les gens vont voir. Et quand les gens vont voir, les gens vont se dire, ah ouais, ce gars-là, il est dans ta culture. Ouais, il ne peut pas dans tu. Voilà. Le film, ça passe. Je vais te prendre contact avec toi et on va travailler ensemble. Voilà. Ça, c'est une approche. L'autre approche, c'est de la prospection. Carrément. Tu as déjà optimisé ton profil. Tu as déjà créé un peu de contenu sur ton profil. Du contenu, dans ton cas, toi, si tu veux aller directement à la prospection, tu crées du contenu vraiment qualitatif direct. Sur par exemple, des témoignages, des trucs que tu fais, Voilà, des sur le groupes que tu as blog, travaillé, des qui cas ont d'étudie. des articles. Exactement. Et puis, après cette étape, tu passes directement dans le boss des entrepreneurs. Voilà. Tu as déjà ta cible. Tu as ta cible, tu sais que bon, l'entrepreneur ou une entreprise dans laquelle tu aimerais travailler a telle caractéristique. Donc, quand tu viens dans la barre de recherche, tu peux voir la densité de recherche. Moi, je donne l'exemple, je tape par exemple entrepreneur Côte d'Ivoire. Je tape juste entrepreneur Côte d'Ivoire. Tu vas voir les trucs vont sortir. Entrepreneur Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. J'ai Jean Tardy de Kwasigan. J'ai un bac, c'est le Congo, qui est CEO d'une entreprise, voilà. Les profils commencent à sortir. Donc, tu peux continuer à fouiller, tu vas voir le résultat. Et là, quand je vais regarder tous ces profils, je vais voir un peu les profils, et si je vois que ça correspond à ce que moi j'ai mis sur papier, ou bien les types de profils que je recherche, ben, je peux entrer en contact avec eux. Quand c'est pour la première fois, qu'est-ce que je fais? Là, c'est ce que j'appelle de la prospection manuelle. Parce que, en mode, on a assez avec plus de possibilités. Mais quand on est en mode gratuit, qu'on n'a pas les moyens, là, j'ai envie de demander une connexion personnalisée. Alors, je vais voir, ouais, c'est ça. Une demande de connexion personnalisée, j'appuie sur une autre, et j'envoie pour la nôtre. Et là, je me couvre un peu, et je dis à peu près les bonnes choses, bien sûr, tout et tout. Voilà, je dis au plaisir de se contacter ou même de se connecter. Et quand je fais ça, j'envoie la personne quand il va accepter ma demande, c'est que on est déjà en connexion là. Je peux venir après échanger et tout, je dis voilà, moi je suis prêt dans tel domaine. J'ai remarqué que tous les entrepreneurs travaillent dans telle boîte ou bien les signaux de telle boîte, et que toi tu as fait des recherches là-bas, tu estimes que son produit peut être amélioré. Parce que c'est dans ça que tu es bon, tous les designers, voilà. Que tu peux l'aider à upgrader ses résultats grâce à un design qui va vraiment cartonner et tout. Voilà, c'est quelques réalisations que s'il n'est pas temps, voilà, que tu es prêt vraiment à le faire, c'est pas un professionnel, c'est un premier visuel gratuit pour l'essai. Donc, tu me mets à l'aise, ça peut aboutir à un partenariat. Voilà, ça c'est une autre approche aussi qu'on peut utiliser sur les réseaux pour avoir des Bon. opportunités. Mais celle-là, moi, Donc, je ne l'utilise pas vraiment parce que moi, je préfère plus à... Ah, on va faire comment? Si tu m'as appelé, on est là pour aider la communauté. tu donnes tous les secrets là. Ah, tiens. Regarde un peu. Ah, tiens. En tout cas, Alors, merci une autre pour ce question. conseil. Une autre question. Là, on va essayer d'aller plus vite, hein. La Oui. préoccupation de savoir si on peut aborder d'autres sujets autres que son sujet de prédilection. Bon, ça, je vais répondre rapidement. Dans mon cas, je pense plus sur les cryptos, donc j'aimerais savoir si je pose du contenu en rapport avec la finance. Et oui, en fait, si vous pensez sur un sujet en particulier,
Vous pouvez, il y a des sujets, donc comme on dit, annexes ou connexes, bah, qui se rattachent facilement à votre sujet principal. Par exemple, si vous parlez de crypto-monnaie, la crypto-monnaie, ça fait partie de la finance, ça fait partie de tout ce qui est marché financier, économie. Donc, si vous parlez de crypto-monnaie, vous pouvez vous permettre de parler de marché financier, vous pouvez vous permettre de parler de crise financière, de banque, de tout ce qui suit par derrière, qui touche la finance. Même parler de comptabilité. Mais il faut le faire de façon stratégique, de façon structurée. Que finalement, quand l'internaute vient sur votre contenu, il sait pourquoi, par exemple, aujourd'hui, vous avez parlé de comptabilité et que demain, vous avez parlé par exemple, de marché, ou bien de crise économique, ou bien de crise des subprimes. Et donc, c'est pouvoir faire un lien entre les différents sujets que vous allez aborder, mais ça reste toujours dans la même sphère de la finance. Et c'est comme ça, en fait. Donc, Et ça, Allez, vas-y. oui, fini d'abord, fini d'abord. Bon, bien fini. Et ça revient exactement à la question, enfin, à la question de la vision que j'avais évoquée au départ. Il faut avoir une vision. Ouais. Et là, cette vision-là, te permet en fait de développer ton cadre. Et là, tu as le sujet principal, mais tu as des sujets qui tournent autour de ton sujet principal. Et quand tu abordes, malgré où tu vas aborder tous ces sujets, tu sais que tu es toujours dans ta vision principale. Tu fais tout pour concourir en fait à ta vision principale que tu as déjà décidé. Tu sais que d'ici 5 ans, 10 ans, tu seras reconnu comme un expert de crypto. Ouais, Et c'est donc, ça. quand tu parles de finance, tu parles de sous là, tu ne sors pas du fond. Tu es toujours dans le fond. Donc, c'est un peu ça. En tout On a cas, une question? y a plein d'autres questions. Et ouais. Ah, oui, qu'est-ce que c'est? Il y a Francisco qui demandait combien coûte votre accompagnement sur LinkedIn. Bon, après. Maurice, tu pourras le contacter et puis donner plus d'informations. Ensuite, il y a Obel qui demande, qui dit, est-ce possible de partager plusieurs contenus de thèmes différents? On vient de répondre à la question. Si oui, quels sont les C'est bon. avantages si tes abonnés savent que vous êtes multiforme? Sinon, partager seulement des contenus parlant de ce thème, motivation, nous invite à le monde de confort. Eh ouais, c'est ça aussi, hein. Quand vous dites parler français qu'on peut comprendre, c'est vrai. Sinon, partager seulement des contenus parlant de ce thème motivant, nous imbibe par le moule d'un confort. Bon, vous n'avez pas compris, hein, vous comprenez un gros, gros français comme ça. Donc, Aubert, s'il te plaît, est-ce que tu peux formuler la question? Même si moi, peut-être, j'ai compris, mais peut-être, il y a des personnes dans le chat qui n'ont pas compris. Donc, une question plus simple, bien, voilà, claire, quoi. Ensuite, il y a plusieurs réseaux sociaux, pourquoi LinkedIn? Bon, ça, on a expliqué ça au début du call. Je pense que si la vidéo, l'enregistrement, si ça a bien passé, je vais mettre la vidéo à disposition de la communauté. Et puis, vous allez pouvoir visualiser. Sinon, on a dit, oh, il y a encore beaucoup d'opportunités sur LinkedIn par rapport aux autres réseaux sociaux. Il y a peu de personnes sur LinkedIn. Et aussi, côté professionnel, c'est le il n'y a pas de meilleur réseau social pour se démarquer de façon professionnelle. Et les débouchés sur LinkedIn, il y en a plein. Après, ces questions-là, je vais les screenshotter et puis, on pourra répondre à ces questions dans le chat de la communauté, soit sur Telegram, soit sur WhatsApp. Et puis, les échanges vont continuer. Parce que là, on a pris presque tout le temps. Et il est déjà 22h13. Je pense à mes frères qui sont au Cameroun. Tout ça, il est 23h chez eux là-bas. Et donc, ils sont là jusqu'à 7h. C'est vrai que c'est vraiment chic. Maurice, tu as fait quoi, hein? It's my. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'aimerais savoir quel outil vous utilisez pour créer différents contenus. Bon, rapidement, on a Figma, on a Canva, on a peut-être des personnes qui utilisent Photoshop ou Illustrator. Il y a d'autres outils. Humoriste, il y a d'autres outils que tu utilises spécialement pour créer tes contenus. Alors, j'utilise aussi Glorify. Quoi? Glorify, c'est pas si tu connais Glorify. Glorify, je note. Attends, je te montre rapidement. J'espère que ça y est.
5.com. Alors, je l'utilise également pour créer du contenu. Et moi, je suis beaucoup mon chien. Si c'était possible, j'allais même partager un peu mon dashboard et tout. Ah Non, ouais, Notion deck. je kiffe beaucoup, j'aime beaucoup. C'est ce que j'utilise surtout. Pour tout ce qui est test et tout, voilà, c'est là que je mets tout mon contenu, mes idées et tout. C'est là que je m'amuse beaucoup. Ouais. Et moi-même, je trouve Après, je trouve pas de belles choses pour la communauté en ce qui concerne nos chaînes. Et il y a de belles choses. Ah ouais. Wow. Il y a des soucis aussi. Mais quand même. Mais à dire. voilà. Donc, c'est un peu ça. Je l'utilise également pour créer du contenu et tout. Bon, Donc, Ismaël, c'est ça. il y a Verify, il y a Canva, il y a Figma, il y a la suite Adobe que tu peux utiliser, il y a Adobe Express, il y a aussi d'autres outils peut-être qu'on ne connaît pas forcément, qui existent. Et puis, Vista, Vista Créa, tout bien voilà. sûr, la poche, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, voilà. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup Figma, beaucoup Notion. Sur mon test sur Notion, sur mon design sur Figma. Après, avant, j'utilisais Canva, mais après, ça peut changer. Donc, faut tester ce qui te plaît bien et qui te garde. Où tu te sens à l'aise. Il y a Aplazis, Rodrigo, qui demande, est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour créer des contenus sur LinkedIn? Maurice, est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour créer des contenus sur LinkedIn? Alors, oui, on peut utiliser Pourquoi tu dis ChatGPT pour créer du contenu. Non, en fait, la question me fait un peu sourire parce qu'au départ, pour dire la vérité, quand ChatGPT était sorti, il y a même beaucoup de ça. Moi, je me suis mis en retrait, tu vois. Je me suis mis en retrait, je me suis dit, voilà. Je préfère faire la méthode traditionnelle que j'utilisais depuis pour m'en sortir, que je n'ai pas envie d'associer de l'IA à mon travail. Mais après, avant que je recule et analyse les choses, tester l'outil, je me suis dit, bon, il y a des opportunités avec ça. Par exemple, si tu veux créer du contenu, tu as besoin d'avoir des idées. Mais le truc, c'est que les idées qu'on a souvent sont liées un peu à notre environnement, ou bien à des recherches, à des études qu'on fait facilement. Mais le truc, tu peux pas avoir du temps et parcourir toutes les ressources que tu as mises à ta disposition. C'est là où très difficile. C'est vraiment intéressant. Parce que si tu as un sujet, tu le poses et tu le demandes, tu te des idées, tu peux me plein. Tu peux te faire ce que tu dis, tu me dis, mais moi, c'est là, je me dis, encore fini, encore, il a encore continué à te proposer. Donc, tu peux l'utiliser pour créer du contenu. Maintenant, le truc, c'est que surtout pour le côté test, par exemple, tu as, je sais pas, tu prends le cas de cet outil pour l'entrepreneur, par exemple. Si tu te proposes ça, il va te proposer avec du test et tout. Il faudrait alors, après, travailler sur le test. Et il y a du de l'émotion, parce que par exemple, l'IA, il n'y a pas d'émotion, donc c'est pas évident qu'il y ait de l'émotion dans les questions. Après, il faudra retravailler ça pour apprendre tout simplement pour Ouais, ça motiver dépend. qui s'adapte à ta personnalité également, pour pouvoir avoir vraiment un truc intéressant. Et après, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Il y a plusieurs façons. Après, il faudra trouver sa meilleure façon de l'utiliser. Donc, C'est sûrement le peut-être on principe. aura une masterclass. Normalement, on devrait avoir une masterclass sur ChatGPT, mais qui a été annulée à cause d'un petit souci. Techniquement, on va Oui, voir je comment serai on là. va programmer. Sinon, ChatGPT fait des merveilles, mais beaucoup de gens ne Exactement. savent pas vraiment comment. Donc, on va apprendre Exactement. plus. Moi, j'utilise pour brainstormer et puis j'utilise aussi pour vraiment structurer certaines choses. Voilà. Des modèles, quelque temps, je peux demander par exemple une structure d'un livre. Pour expliquer un concept, bien, voilà. Ensuite, il y a. Je pense que c'est tout comme question. Le nom du logiciel, merci, dans le chat, s'il vous plaît. Le nom du logiciel, c'est Glorify, dans le chat. C'est Maurice, tu peux écrire ça dans le Glorify. chat? Oui, je vais Glorify.com. écrire ça dans le chat. Voilà.
Merci, nous allons poser la question. Donc là, je pense qu'il n'y a plus de questions. Et ça marque on approche de la fin de la classe. En tout cas, Maurice, on sent que tu es passionné. Voilà. Comme moi, on peut parler de ce qui nous plaît pendant des heures sans se fatiguer. Mais comme tout le monde n'est pas forcément passionné. J'ai l'impression que ça n'a pas suffi. On aurait pu continuer une heure encore. Sinon, Oui, on aurait pu ça n'a même aller plus loin. Mais on va chercher pour nos auditeurs. Parce que tiens. Ouais. Donc, suffi. vraiment, merci d'être venu. Pour ceux qui étaient là, vraiment, vous êtes formidables. Voilà. Je pense que vous êtes vous voulez apprendre et c'est intéressant. On a beaucoup de choses à partager, mais c'est vraiment à cause du temps. Pour respecter le temps de tout un chacun que on a essayé de faire tout. Voilà. Mais Maurice est dans la communauté, hein. Il est dans la communauté France of Notre Côte parce qu'il utilise le soutien de notre côte aussi. Donc, il est dedans. Et vous pourrez après poser vos questions, il pourra répondre personnellement. Pour ceux aussi qui veulent rentrer directement en contact avec lui, il a son compte LinkedIn, il a son profil LinkedIn. Donc, allez créer vos LinkedIn maintenant, ceux qui n'ont pas encore. Soignez tout. Et puis, envoyez une invitation à Maurice. Voilà. Et puis, vous pouvez garder contact avec lui. Moi aussi, je suis sur LinkedIn. Vous connaissez bien mon LinkedIn. Donc, Godwin Sola. Et puis, c'est ça. Donc, vraiment, merci Maurice. J'espère que ce sera c'est une première masterclass d'une série de masterclass qu'on aura peut-être. Il y a de belles collaborations pour l'avenir. Et vraiment, tu as chancé, comme on l'a dit chez vous, tu as chancé de répondre présent à cette masterclass. Et puis, nous te disons vraiment merci beaucoup. Ça me va donc, ça me va donc. Merci beaucoup. Ça me va donc. Merci tous ceux qui ont pu être là, qui ont pu vivre jusqu'à là. On Merci remercie personnellement, je Ben, on remercie les remercie autres Tismaël, également. Adjumani Max, elle était là. On remercie Francisco, surtout, qui était présent aussi. On remercie Gaël, Delors. Il y a Jospin Bossou aussi qui était là. Voilà. Il y a Obed ici, Emmanuel. Il y a Ebenezer, il y a Désiré, il y a Christophe. Il y a Arthur qui était là aussi. Ah, mon frère Arthur. Et il y a Aziz, il y a Christian. Vraiment, merci, merci, merci d'avoir été présent. Et on va se donner rendez-vous mercredi prochain pour notre masterclass. Le thème, la masterclass sera votée dans le canal de l'État, comme d'habitude. Vous aurez à voter pour le thème et puis on va aborder ça la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, vous dormez bien. Et Dieu vous garde. Merci.